Coco Coach, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, le tuto, c'est un peu comme de l'or en barre. C'est vraiment quelque chose qu'on donne que dans les workshops. C'est vraiment un secret qui va vous permettre en fait d'éviter d'investir dans un objectif à 5000 euros, le fameux objectif qui permet d'avoir un flou d'arrière-plan dans vos photos. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est simple, on va aller dans Photoshop et je vais vous montrer comment. Alors, quand on a cette petite photo-là, on va dupliquer le calque, alors je vais vous refaire, on duplique le calque. De cette manière, on fait CTRL-J ou CMD-J sur Mac et ensuite on va aller dans Filtre et on va aller dans Flou, pardon, Galerie de Flou et on va aller dans Flou de Diaphragme. Ainsi, nous avons notre petite photo, on va augmenter le flou pour que vous puissiez bien voir sur cette photo et là vous allez voir que si je change les quatre petits points, ils changent les quatre en même temps. Or, nous, on voudrait faire quelque chose de beaucoup plus précis et c'est là tout l'intérêt de ce tuto et toute la magie. On va appuyer sur Alt et on va diriger les petits points là où nous avons envie de mettre du flou. Ainsi, nous avons du flou tout autour, mais pas sur le reste. Ensuite, on a juste appuyé sur OK et il va transformer tout ça en un nouveau calque. Le temps qu'il progresse et qu'il fasse tout ceci, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et à vous abonner et également aller sur mon site qui est www.emipicture.com dans la rubrique workshop pour avoir des workshops soit en ligne, soit en présentiel. Bref, vous voyez ce que vous voulez. Et puis comme il est encore en train de progresser mon ordinateur et qu'il a toujours pas fini sa petite photo, eh bien je vous invite à aller sur Facebook, sur le groupe Facebook et vous aurez une super communauté de personnes super sympas et bienveillantes. D'ailleurs, il n'y a que ceux-là qui sont invités. Et puis, vous pourrez échanger entre photographes et débutants confirmés. Voilà, ma photo est enfin terminée et on peut voir toute la différence entre le avant et le après. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À tout bientôt, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ciao !